Apporter quoi, Julien? On n'est pas très loin de Noël, donc je vous ai apporté des idées. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas fait tous vos achats de Noël pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, vous allez dans une boutique où on vend du jeu vidéo et vous trouverez tout ce qu'il faut. Regardez un petit extrait en musique, vous allez voir. Jingle bells, jingle all the way. Na 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 na. Donc pour vous, ça sera un jeu de chant. SingStar, par exemple. Ah oui, avec des airs. Ça sera un jeu de chant. Oui, oui. C'est trouvé. On a nos stars de la chanson. Alors le grand choc à Noël, c'est la guerre des manettes où on a détection de mouvement. Donc par exemple le PlayStation Move que j'ai en main ou le Microsoft Kinect. Alors là, il y a carrément plus de manettes. C'est le corps. Voilà, la publicité dit la manette c'est vous et en fait il y a des capteurs qui détectent vos mouvements et puis vous bougez. Donc si vous conduisez vous faites comme ça, vous sautez, on peut le voir en image, il y a des petits animaux, enfin voilà, faut tout attraper. Donc courir. Danser. C'est une nouvelle danser. C'est une nouvelle façon de jouer. On peut perdre des calories. On s'éloigne vraiment un petit peu du jeu vidéo. C'est ouvert à tout le monde. Sinon, dans une forme plus classique, on le voit en image. Donc Castlevania, une grande licence de jeux vidéo, un jeu d'aventure, un peu Seigneur des Anneaux, si vous voulez, en termes de référence. Chevalier, princesse. Et un chevalier qui doit sauver sa princesse. Ah, des épées, pas très original. Voilà, donc c'est Castlevania. Je vous le conseille, un super jeu d'aventure. Sinon, on va avoir aussi dans le même registre Vanquish. Alors là, ça tire dans tous les sens. Ça, c'est pour les garçons. Ouais. C'est pour les garçons. Un jeu qui tire, c'est le produit culturel le plus vendu. C'est Call of Duty. Voilà. Pour tout vous dire, il s'en est vendu 600 000 en France la première semaine. Voilà, ah oui, il n'y a aucun film, DVD ou autre qui fait ça. Il faut que ce soit un jeu vidéo pour atteindre de tels scores. Après, on est à Marseille, donc forcément, ça colle peut-être plus aux images. Voilà, c'est Call of Duty que vous voyez sur les images. Donc sinon, bien évidemment, on va parler foot à Marseille. Oui, oui. On va parler foot avec cette belle jaquette que je vous avais déjà montrée. Un pack FIFA spécial pour nous les Marseillais OM champions. Oui, magnifique. Ça va pas très bien en ce moment, mais nous sommes toujours champions. Donc FIFA 11, le jeu de foot qu'il faut avoir sous le sapin. Et sinon, je vous ai amené aussi un James Bond, par exemple. Ouais. Vous aimez vous prendre pour 007. C'est qui le James Bond là? Ah, là, c'est Daniel Craig. Moi, c'est celui que j'aime le moins. Ouais. Un épisode qui n'existe pas en film. C'est uniquement un épisode en jeu vidéo. Waouh. Voilà. Un James Bond spécifique. Avec des James Bond girls très sexy, bien évidemment. Sinon, un peu de foot toujours. Voilà, ouais, si vous voulez des manettes OM ou des étuis pour vos consoles portables. Donc, OM, sublime. Pour amener l'OM partout avec vous, pourquoi pas. Allez, encore un peu de sport, du basket. NBA. Le jeu qu'il faut avoir, NBA. Michael Jordan, même si vous connaissez pas le basket, vous connaissez Michael Jordan. Oui. Et c'est la première fois que Michael Jordan est jouable dans un jeu. Voilà, je termine un jeu pour bébé, My Baby. Il y en a pour tout le monde, vous l'avez dit. Alors, attendez, stop, j'en profite pour annoncer à la terre entière que Julien Papa va devenir papa. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Il a déjà un jeu vidéo. Ça sera pas ma baby parce que ça va être un garçon. Alors, quand ça sera un garçon, on sera plus tôt, quand il sera un petit peu plus grand, sur du Spider-Man. Prévu, du Spider-Man, voilà, que vous avez avec des lunettes 3D ou pas. Voilà, donc les jeux vidéo, il y en a pour toute la famille. Et pour tous les âges, pour tous les goûts. Merci infiniment, Julien. C'était un plaisir de vous voir et venez plus souvent. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. On vous attend.